faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour. À la suite des rumeurs qui nous sont parvenues depuis un certain temps, et surtout hier, nous avons décidé de réunir la chefferie de Thiébissou. Ce matin, nous avons réuni les chefs de communauté de la ville de Thiébissou, y compris les représentants, le représentant de la communauté CDAO de Thiébissou, pour porter le message de cohésion. Car à Thiébissou, nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Il n'y a jamais eu de différence entre les communautés. D'accord. À Thiébissou, vous avez toujours vécu en parfaite symbiose. Qu'est-ce qui a provoqué, je vais dire, cette rencontre ce matin? Comme je le disais tantôt, il y a des rumeurs qui nous sont parvenues. Ces rumeurs qui disaient que la communauté baoulé s'apprêterait à attaquer nos frères venus d'ailleurs, c'est-à-dire nos frères venus du nord, les Malinkés, la communauté CDAO. Ce qui n'est pas le cas, car à Thiébissou, nous avons vécu toujours en symbiose, nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Il n'y a jamais eu de différence entre les communautés. Et donc, nous avons tenu à éclaircir cette situation avec les uns et les autres ce matin. Quel est votre appel? Nous lançons un appel de paix. De paix. À Thiébissou, nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Comme je le disais tantôt et je le répète, il n'y a pas de différence entre les communautés. Ce que nous demandons, c'est que la vie de Thiébissou continue comme elle a toujours été et que cette paix qui régnait entre les communautés perdure, qu'elle continue, que nous nous entendions, que nous vivions toujours en toute fraternité. Et j'appelle, je lance un appel là à la population de Thiébissou. Nous sommes frères. Je dirais que nous sommes du même père et de la même mère ici à Thiébissou. Depuis des lustres, on n'a jamais fait de différence. Il n'y a jamais eu de Malinké, de Burkinabé, de Wobé. Nous avons toujours vécu ici en symbiose, en toute intelligence. Il ne faudrait pas que par rapport à ces élections, il y a des troubles. C'est ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup, Nanan Boni Aimé. Chers téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV, nous sommes à Thiébissou et c'est dans le Bélier. Nanan Boni Aimé intervient suite à une rumeur qui a couru dans toute la ville, faisant état des velléités d'affrontement entre différentes communautés, les communautés de la CDAO et les communautés baoulé sur place. Nanan appelle à la paix et à la cohésion sociale. Chers téléspectateurs, partagez cette information et exhortons tous à la cohésion sociale. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à officiel-ivoire-tv.net.
faire ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.